Émission spéciale depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avec un invité spécial, bien évidemment. C'est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, ici en RDC, qui est notre invité aujourd'hui. Vous avez souhaité qu'il réponde à beaucoup de questions que vous posez à travers le monde, notamment ce qui concerne la mission des Nations Unies ici en RDC. Notre invité est Martine Kobler. Bienvenue. Merci bien, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir ici parce que nos téléspectateurs à travers le monde ont toujours voulu que nous invitions Martin Kobler parce que vous êtes non seulement le représentant de l'ONU ici, mais vous êtes l'un des spécialistes de la politique un peu dans la région des Grands Lacs. Je vous présente un tout petit peu. Vous avez succédé à l'Américain Roger Miss, hein, qui était chez nous depuis 2010. Après la nomination de Roger Miss ailleurs, vous avez été vous-même représentant des Nations Unies, d'abord en Irak, dans la mission qui s'appelait MANUA, ensuite en Afghanistan, et depuis 2013, vous êtes ici chez nous comme représentant du secrétaire général des Nations Unies. Alors, quand vous êtes arrivé ici, comment vous avez trouvé le Congo? Alors, c'était mon désir d'arriver ici parce que j'ai passé presque la moitié de ma vie professionnelle au Moyen-Orient. Oui. Et on m'a offert ce poste ici au Congo. J'avais pas de grande expérience en Afrique et j'ai immédiatement dit oui sans demander à ma femme. Ah Hein? bon? Voilà, non, c'est ce que j'ai décidé immédiatement. Parce que j'ai quelques expériences alors, de voyage en Afrique, ça m'intéresse, les gens sont gentils et ça, mais on a des problèmes. Et je suis un homme qui veut résoudre des problèmes et la région m'intéressait beaucoup, c'est pourquoi Mais j'ai dit oui. justement, vous avez été en Irak, pays en guerre, Afghanistan, pays en guerre, mais pourtant vous avez été au ministère allemand où vous occupez plutôt de la culture. Alors, vous êtes plutôt quelqu'un qui résout les problèmes ou quelqu'un qui est là pour en chercher? Voilà, alors les deux choses sont correctes. Je Oui. m'intéresse beaucoup pour la culture, c'est ce qui manque ici dans notre travail, aussi naturellement dans notre mandat. Toutes ces choses sont basées sur l'histoire, sur la culture. Ce qui m'a intéressé ici, c'est la musique ici congolaise Ah, vous et en tout connaissez ça. un peu? Nous avons arrangé le concert à l'aéroport d'Akon. Je crois que c'était le septembre dernier. Oui. Alors j'essaie toujours aussi un peu au-delà du mandat, alors de m'en occuper, de l'histoire et de la musique, de la culture de chaque pays où je travaille. Martin Kobler, je vous ai invité, c'est parce qu'il y a beaucoup de questions qui concernent la RDC. Les Nations Unies sont ici depuis plus de 16 ans maintenant. Les Congolais se posent la question, à quoi ça sert l'ONU dans notre pays? Qu'est-ce que vous avez apporté, vous, les Nations Unies, à la RDC? Parce que la guerre est terminée, notamment parce que les FRDC ont été modernisés, pour ne pas dire réformés, avec une volonté affichée du gouvernement en donnant plus de moyens. Alors que vous avez 20 000 hommes ici, vous avez beaucoup de moyens, beaucoup d'équipements. Quelle est, d'une manière détachée pour vous, fonctionnaire international, le bilan de la présence de l'ONU en République démocratique du Congo? Voilà, c'est une question qui est très très légitime parce qu'il y a 16 ans, alors le pays était tripartite. Oui. On avait une guerre ici avec des armées étrangères dans le pays. Si vous comparez la situation maintenant et il y a 16 ans, on a une différence. Mais on a aussi des territoires qui ne sont pas contrôlés par le gouvernement à l'est du pays. Nous avons les groupes armés étrangères, les FDLR, les ADF et tout ça. Ça veut dire le travail n'est pas encore fini, c'est le reste qui maintenant doit être adressé et c'est notre mandat, c'est notre tâche. La chute de Goma au mois de novembre On va en parler. 2012, On va en alors parler. c'était un signe aussi qu'il faut vraiment agir et j'ai senti en 2013 que je suis arrivé ici, un peu l'impatience de la communauté internationale de vraiment. Il faut mettre fin aux groupes armés et la MONUSCO doit partir. Et c'est aussi la stratégie de départ de la MONUSCO. Nous travaillons maintenant avec le gouvernement, un dialogue stratégique, parce que nous voulons partir du pays.
Vous voulez partir ou vous voulez rester? Non, nous voulons partir du pays. Comme vous avez dit, la mission est très très chère. Oui. On a d'autres missions au Mali, en République centrafricaine, ça coûte aussi très très cher. La communauté internationale est vraiment de nous développer une stratégie de départ ensemble avec le gouvernement. Est-ce que vous comprenez les Congolais lorsqu'ils disent les Nations Unies sont venues ici faire leur business, nous, notre paix, notre développement dépendra essentiellement des Congolais. Parce que à l'Est, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup de techniques, beaucoup de militaires, mais les quelques petits groupes armés qui ont quelques kalachnikovs, ben, la MONUSCO n'arrive pas à en finir. On a l'impression que vous les entretenez, ces groupes armés, pour votre présence. La fameuse phrase « non kunda, no job ». Voilà, c'est une conversation que j'ai toujours. Alors, est-ce que nous faisons part du problème ici? Oui. Mais alors, c'est, franchement, c'est des salades. Hein? Alors, on ne peut pas dire ça. Nous sommes ici de résoudre les problèmes ensemble avec les FRDC. Et si c'est résolu, on va partir du pays. Mmh. Nous avons réduit maintenant déjà 2000 soldats en 2013. Il y en a 2000 qui sont partis. Maintenant, 1400 sont déjà partis et 2000 vont suivre jusqu'à la fin de l'année. Mmh. On est en conversation, en réunion toujours avec le gouvernement dans le cadre du dialogue stratégique pour négocier alors les paramètres sous lesquels nous pouvons partir de plus. Mmh. Croyez-moi, la communauté internationale, les collègues de la MONUSCO, ils disent toujours il faut partir, mais pas laisser un pays fragile derrière nous. Question aujourd'hui, Martin Kobler, le Congo est en phase préélectorale. D'aucuns disent il faut encore la présence de la MONUSCO pour garantir la sécurité des élections. Mais d'autres Congolais disent aussi mais qu'on laisse les Congolais organiser leurs élections, qu'on les laisse aller jusqu'au bout du processus, comme cela s'est fait dans tous les pays. Quel est votre point de vue là-dessus? Voilà, premièrement, nous avons un mandat. Un mandat du Conseil de sécurité qui représente la communauté internationale. Mmh. Et ce mandat est prolongé une fois par an. Ça vient d'être fait. Voilà. Oui. Et c'est maintenant la résolution 2211 qui nous donne le mandat quoi faire. Aussi, qui nous donne l'obligation maintenant d'avoir une évaluation conjointe avec le gouvernement de la RDC, comment partir. Les questions, réduction de la menace, restitution de l'autorité de l'État numéro 2 et aussi le système politique ici, les élections crédibles dans le pays, la situation des droits de l'homme, c'est écrit dans notre mandat de l'observer et de le faire, de le prendre en considération. Alors, en ce qui concerne le débat. Je vais poser cette question directement. Beaucoup d'opposants demandent que vous assurez la médiation du dialogue. Est-ce que c'est dans le mandat? Voilà, les bons offices, c'est dans le mandat. Non, la médiation. La médiation, la supervision. Ça veut dire, pas la supervision, la médiation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imposer. C'est le mandat des bons offices. Comme on dit en anglais, it takes two to dance a tango, il faut deux pour danser. Oui. On ne peut pas imposer les bons offices, on ne peut pas imposer la médiation. On a ceux qui demandent la médiation. Si quelqu'un demande notre médiation, nous sommes prêts à le faire, c'est le mandat. Est-ce que dans l'accord d'Addis Abeba, il est dit clairement que l'ONU doit superviser les dialogues en RDC? Oui, on a les six engagements de l'accord Addis Abeba et les élections, ça fait partie. Mais les élections, c'est une affaire domestique du pays. La MONUSCO n'interfère jamais dans des affaires politiques. Nous sommes totalement impartiaux, mais nous ne sommes pas neutres parce que nous avons le mandat. Nous avons les principes des Nations Unies, les droits de l'homme, les élections crédibles, donner l'espace à l'opposition pendant un processus électoral. C'est quelque chose qui est là-dedans, dans notre résolution. C'est ce qu'on prend très au sérieux. Martin Kobler, j'étais à Goma et à Bukavu. Je parlais beaucoup avec des Congolais qui te disent, enfin, demandez à M. Kobler, il est signateur, les Nations Unies, de l'accord cadre de l'Addis Abeba. Comment expliquer que l'ONU, quelquefois, fait beaucoup pression sur la RDC pour le respect de cet accord, alors qu'il n'y a pas le même empressement sur le Rwanda, notamment avec le président Kagame, qui à chaque fois ne respecte rien, ou même sur certains pays comme l'Ouganda de Museveni, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là un traitement de deux poids, deux mesures?
Voilà, c'est une question très, très légitime. Oui. Moi, ici, je suis responsable, pas pour le Rwanda, mais pour la RDC. C'est basé sur le mandat 2211. Vous êtes quand même représentant du secrétaire général des Nations Unies, donc vous pouvez en parler à celui qui arrive ici, à Djini, par exemple, qui est le représentant pour le Grand Lac. Tout à fait. Nous sommes des jumeaux. Hein. Nous avons deux représentants ici. Nous sommes un groupe d'envoyés spéciaux, et Saïd Djinit est le représentant spécial ou l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région de Grand Lac. Moi, ici, je suis responsable pour remplir le mandat pour la RDC. Et pour nous, c'est très important d'avoir, de vraiment remplir ce que les tâches et les obligations de dans la résolution. Et aussi, une partie, c'est aussi les engagements nationaux de l'accord d'Addis Abeba. Ce sont les élections, c'est la réforme du secteur sécurité, c'est la réconciliation. Et croyez-moi, ce sont les responsabilités du gouvernement et de la société congolaise. Nous sommes ici seulement pour vous soutenir, pas pour régler vos problèmes. On me dit toujours, alors, et vous avez aussi demandé, pourquoi on n'a pas une résolution des problèmes par la MONUSCO? Non, ce n'est pas notre tâche. C'est la tâche restitution de l'autorité de l'État, de la PNC, des FRDC, qui font un job admirable, un boulot admirable à l'est du pays. Mais on vous soutient. Nous sommes ici de vous soutenir, de remplir aussi les engagements nationaux d'Addis Abeba que les États et les chefs d'État des CRGL ont signé. Alors, Martin Kobler, quand je parlais avec les gens de Beni, qui étaient venus aussi assister à des manifestations à Goma, ils me posaient cette question, et je vous la pose. Parce qu'ils vont vraiment en vouloir si je ne vous la pose pas. Ils disent, nous sommes contents qu'il y ait moins de problèmes maintenant à l'Est. Il y a un développement qui commence à arriver. J'ai vu que vous avez participé à la modernisation de Goma, les routes, etc., l'aéroport. Ils disent, mais ça nous inquiète un peu la présence de la MONUSCO seulement à l'Est. Est-ce qu'ils ne sont pas venus préparer la balkanisation? Voilà, la question de la balkanisation est toujours posée. Oui. Aussi, alors... Je vous dis une chose. Très franchement, entre nous. Très franchement. Oui. La MONUSCO a décidé de partir et de laisser un pays comme vous l'avez organisé, entier. Un pays entier. Si vous comparez, pas la République des volcans, non. Si vous comparez la situation il y a 15 ans et maintenant, je voyage beaucoup à l'Est. On a fait la priorité de travailler avec vous, le gouvernement, mais aussi les FRDC à l'Est. On chante aujourd'hui l'hymne national partout, dans chaque village. Bonjour, Massissi, drapeau partout, national. Il y a moins de balkanisation aujourd'hui qu'hier. Ah, voilà. Alors, le pays était tripartite il y a 16 ans. Maintenant, c'est un pays unifié. Ça doit rester comme ça. Et le développement à l'Est, c'est, je crois, très, très nécessaire pour vraiment contrôler la contrebande, pour développer l'économie, pour la jeunesse de créer l'emploi. Alors, justement, question sur la contrebande. On reproche aussi à certains éléments de la MONUSCO de s'affairer dans le trafic des minerais. On dit comme vos avions ne sont pas contrôlés, quelquefois il y a du cassitérite dedans. Vous couvrez certaines zones d'exploitation minière où les FARDC ne peuvent pas entrer parce que ça permet un certain trafic. Est-ce que vous démentez ça? Voilà. Alors, la MONUSCO n'est pas impliquée dans la contrebande systématique ici. Donnez-moi les noms, les cas, la location. On a zéro tolérance pour ça. Et vous punissez tout de suite? Mais oui, naturellement. C'est aussi avec tous ces problèmes de discipline que nous avons. On a une zéro tolérance pour toutes ces choses comme la contrebande de l'or ou des cassiterites. La plupart du cassiterite, alors c'est vraiment la contrebande, les experts l'estiment à 800 millions de dollars par an. Hein? Alors ce sont des réseaux criminels à l'Est, pas tellement les groupes armés. Aussi les groupes armés, mais c'est un réseau criminel et c'est quelque chose qui doit être réglé. C'est pas la MONUSCO qui a le problème ici. Nous avons zéro tolérance sur toutes les affaires de discipline au sein de la MONUSCO. On va le poursuivre, mais c'est pas vraiment le problème de contrebande. Question aussi, Martin Kobler, de multinationales qui supportent un certain nombre de groupes armés, qui achètent des minerais à l'Est. Mais vous êtes aux Nations Unies. Pourquoi il n'y a pas de résolution contre les groupes
multinationales qui sont derrière ces groupes armés, qui sont derrière ces trafics. Seulement quand il s'agit des viols de femmes, quand il s'agit des problèmes des violences, mmh. des FARDC, de la police, etc. Là, il y a des résolutions. Mais pourquoi il n'y a jamais eu des résolutions contre les multinationales? Donc, c'est une question très, très importante. Et pendant oui. les négociations sous la résolution de la MONUSCO la dernière fois, oui. j'ai posé exactement ce problème. Je suis convaincu d'une chose. Avec les moyens militaires, on ne peut pas vraiment résoudre les problèmes. Mais il y a les drones. Vous avez les drones. Oui, on a les drones, mais il faut attaquer, il faut adresser les causes profondes. Mmh. Les causes profondes, c'est la légalisation des minerais oui. ici. Oui. On a combien des mines artisanales? 2000 à l'Est. Oui. Il faut les valider. Avec Kimberley, avec les certificats. Avec des certificats. Les Nations Unies, avec les partenaires internationaux, ils contrôlent maintenant 170. C'est un bon début, mais c'est un début. Alors, c'est le système.